Tout le monde voit bien les slides ou pas Ouais. Souriez, je vous prends en photo. Il est 13h30, je vais démarrer maintenant euh, parce que, comme je vous l'ai dit, on a un programme chargé et j'ai peur de faire que j'accélère déjà un petit peu. Je me suis rendu compte que j'étais un peu long. Alors, au pire, on, abré on, on abrévera euh, certaines parties. Donc, bonjour tout le monde. Euh, je, on va parler ensemble de, 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 de jolies histoires en fait. On va parler un peu de dev. Mais, euh, mais le, le, le principal objet de cette euh, présentation, c'est surtout de vous raconter l'histoire et puis qu'on se marre ensemble avec des, des, des trucs qui se sont passés. Euh, donc, euh, je suis Yal Lesmi, euh, je travaille chez Génie Mobile, en un petit stand en bas. Si vous voulez nous visiter euh, comprendre ce qu'on fait, on, on, on fait des trucs sympas. Je vais même vous faire une petite démo tout à l'heure d'un des produits à la fin. J'espère avoir le temps. Vous avez un lien pour les slides qui sont ici c'est un lien bit.ly et euh, c'est And Big Fails. Si vous le trouvez, c'est le. le euh, l'extension et puis si vous voulez me retrouver sur le, sur le réseau euh, c'est Eyal.fr et j'ai la chance de faire partie des euh, Google Developer experts c'est un programme chez Google qui aide en fait des gens à, à faire des talks comme, comme celui-ci. Voilà. Alors euh, on va démarrer avec la première histoire et euh, pour la première histoire je vais vous poser une question. Aujourd'hui j'ai une appli comme ça, elle est plutôt sympa, elle est sur le Play Store. Euh, elle a l'air vachement utile, mais moi elle me pose un gros problème. Alors à votre avis c'est lequel J'attends des réponses. Hein. Ouais, capture d'écran. D'accord. Faire... Je... D'habitude j'aime bien quand on discute ce genre de choses, mais il euh, faut que j'aille vite pour le coup, donc je vais vous donner la réponse maintenant. C'est dommage parce qu'il y avait un goodies à gagner, je ne l'avais pas dit avant. Euh, ouais. Comment Ah non, c'est juste qu'elle a beaucoup de succès et puis elle a 5 étoiles, les gens l'adorent, mais ils ne devraient pas. Parce qu'en fait, vous voyez toutes les permissions qu'elle demande, cette application Voilà. Donc vous avez une lampe de poche dans la poche, euh, dans la poche normale, hein, euh, qui euh, demande beaucoup de choses, notamment de pouvoir prendre des photos, euh, de pouvoir euh, accéder au, 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 à la localisation GPS. Bon, c'est des choses un petit peu, un petit peu spécifiques. Euh, ça, c'est une mauvaise chose. Alors, l'idée, c'est qu'on voit ensemble maintenant euh, comment éviter ça. Une info, déjà, hein, c'est que les utilisateurs devraient euh, préférer des applications qui utilisent moins de permissions, du moins le moins possible, euh, pas être trop euh, demandantes. Le seul problème, c'est qu'ils ne le font pas. Vous l'avez bien vu, hein, elle a 50 millions de téléchargements, 5 étoiles, tout le monde est super content de cette appli. Euh, moi, j'y vois quelques petits euh, problèmes. Et euh, pour information, il y a à peu près une application sur toi sur le Play Store qui demande trop de permissions. Et donc l'idée, c'est euh, de ne pas avoir de permissions. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de permissions. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de vous demander. Combien sont de développeurs d'applications Android ici Très bien. Combien ont d'applications en leur nom ou au nom professionnel euh, sur le Play Store Très bien. Ok, super. Euh, donc l'idée, c'est d'utiliser des content providers, ou du moins euh, de, de faire en sorte. <coughs> d'accéder à des informations euh, par d'autres biais et euh, un des biais qui peut être extrêmement intéressant c'est d'utiliser des applications aujourd'hui mon application elle a besoin d'accéder par exemple à un contact il euh, bah, y a une application contact dans Android qui sait récupérer des contacts et Android l'OS lui-même est fait pour pouvoir faire en sorte que les applications communiquent entre elles et de manière fluide alors l'intérêt c'est que d'une ne vous avez pas demandé de permission vous dans votre application le deuxième, c'est que vous n'avez pas à implémenter cette histoire d'aller chercher le contact dans la base de données de contact, donc tout, toute votre interface, vous n'avez pas à la faire. Et en plus, le vrai bénéfice pour l'utilisateur, en plus le fait que vous ne soyez pas trop intrusif euh, dans, euh, dans, 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 dans sa vie privée, dans ses données personnelles, c'est que euh, ben, son application acte, il l'utilise tous les jours, il la connaît par cœur, et donc pour trouver un contact dedans, ce sera du gâteau pour lui. Donc en termes d'expérience utilisateur, on a une véritable amélioration. Alors, L'idée, c'est euh, voilà, l'exemple du contact. Utilisons la force et la force, la voici. Elle est très simple. Euh, voilà un exemple de code. Vous avez deux parties euh, un petit intent que vous démarrez, euh, que vous configurez, start activity for result. Du coup, on va ouvrir l'application euh, contact, <coughs> pardon, en lui demandant de nous retourner un contact. Euh, je vais aller vite sur le code hein, dans ces présentations, N'hésitez pas à aller voir les slides, vous allez voir c'est du code relativement simple à chaque fois. Il' hein. a rien de vraiment il n'y a pas de vraie véritable intelligence et n'hésitez pas à aller le consulter après pour voir le réutiliser, il n'y a aucun souci. Euh, et, voilà. et donc du côté de notre application d'un autre côté, on va faire un on activity, result, un on activity pour récupérer le résultat. C'est vrai pour les contacts et pour, pour, pour plein d'autres choses, notamment l'application caméra, euh, le, le, caméra euh, le client mail et beaucoup de choses encore. Les applications sur Android savent communiquer entre elles, l'idée c'est d'en profiter un petit peu. Euh, si vous avez besoin d'un ID, alors vous avez plusieurs solutions. Alors le UID, l'intérêt qu'on a en fait quand on est développeur, c'est euh, de vouloir faire en sorte de repérer un terminal Android de manière propre, de dire c'est vraiment ce terminal et quelles que soient ses requêtes, il me retourne son UID, je sais qui c'est et je saurais potentiellement même l'associer à un de mes utilisateurs en, en base de données. Euh, donc ça peut être extrêmement utile. Alors il y a plusieurs manières de récupérer un unique user ID. Le premier, c'est euh, d'aller récupérer donc dans le Telephony manager le get device id. Le problème, c'est que ça demande une permission, une que vous avez sûrement beaucoup vue qui s'appelle le read phone state. Euh, vous l'avez sûrement vu, vous savez pas pourquoi, alors que c'est une application qui avait rien à voir avec la téléphonie. Bah c'est pour ça qu'elle l'utilise pour aller récupérer. Ça, c'est une des solutions. Bon, vous avez vu, ça utilise une permission, donc on n'est pas trop dans l'objectif de l'utiliser. Enfin, on verra. Euh, le, une deuxième solution, c'est euh, dans les settings Secure Android ID. Euh, ça, c'est pas trop mal, parce que du coup, on n'a plus besoin d'utiliser euh, de permission. Le seul problème, c'est que c'est une donnée qui est générée au premier boot du, de l'OS. Donc, en fait, si vous faites un reset, s'il y a un wipe du terminal, euh, le, 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 le pardon. <laughs> cette UID va être changée, va être modifiée, et donc bah, vous n'aurez pas de continuité. Ça peut être un petit peu dommage, pour, surtout pour ceux qui font un peu de rom costaud, ils ont tendance à wiper leur terminal assez souvent, euh, donc on perd de la donnée. Et euh, aussi une dernière chose, c'est que c'est une donnée qui est propre à un device, un hardware, et que Android étant multi-utilisateur sur les tablettes à partir de Jelly Bean, euh, on se rend compte que ça pose des problèmes. Parce que bah, j'ai mon compte, j'ai le compte de ma femme, j'ai le compte de mon gamin, il euh, bah, y a trois utilisateurs derrière, pas un seul, pourtant j'ai qu'un seul euh, ID qui m'est fourni par cette API. Donc nous, on dit non à ce genre de solution, on dit non, stop. On passe au suivant. Et la solution qui est plutôt euh, plus sympa pour nous, euh, qui demande à peine plus de développement, mais qui est plutôt intéressante, c'est lorsque l'application se lance pour la première fois, on va en générer un. Là encore, je vous ai donné un exemple qui permet de générer.. Euh, un petit bout de code qui permet de générer un ID euh, euh, unique pour l'utilisateur. Le, pour le, pour et puis, donc maintenant qu'on a cet ID qui est stocké quelque part dans notre application, on va, oui, on dit yes, euh, on va utiliser la Backup API. C'est quelque chose qui a, inventé, euh, qui a été inventé, qui a été apporté par Google sur Android euh, il y a quelques versions. Et euh, elle est disponible sur l'ensemble du device parce qu'elle fait partie des Play Services. Euh, il y a parfois quelques costauds de manufacturers mais bon, c'est pas vraiment un, 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 important pour vous. Euh, chaque device a son propre, euh, notion de data, pardon, son, son, oh, désolé, son propre, sa propre notion de backup, et, et en fait, c'est pas chaque device, c'est chaque compte utilisateur. Donc, on se retrouve avec, cette fois-ci, un device ID par utilisateur, <coughs> et c'est chaque utilisateur sur chaque device. Donc vous pourrez avoir le même utilisateur sur différents devices que vous pourrez regrouper, mais il aura, chaque device de cet utilisateur en aura, aura euh, chacun leur, leur UID. Et, euh, et voilà. Et donc ce n'est pas une, une API de synchro, euh, n'allez pas essayer de faire ça. Vous pouvez aller voir sur la doc, elle est très utile, très simple. Vous avez quelques, quelques trucs à implémenter dans votre application pour que euh, les choses se passent bien. On va passer à la deuxième histoire. Ça, c'était une introduction un petit peu hors sujet, mais je trouvais le, 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 le thème intéressant et le, la notion de permission et de limitation, de ne pas trop en utiliser, assez importante pour la placer en introduction. Maintenant, on va parler des histoires qui font un peu plus mal. Premier épisode pour Microsoft. OK. Euh, je vois des gens qui font des kiosques déjà. Euh, bon allez, il y en a vraiment un à gagner cette fois-ci. A votre avis, euh, ben on a deux applications, Hotmail et Outlook. Hotmail qui, a, euh, qui est très bien noté, 4,1. Et euh, Outlook qui est franchement moins bien noté, pourtant c'est un service plus récent, donc théoriquement mieux, euh, qui n'a que 2,4 euh, comme note sur le Play Store. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi C'est, tiens, tu l'as. La vraie réponse, en fait, mais c'est très bien dit, tu as exactement l'idée, tu as gagné un petit goodies. Ça te permet, alors c'est une main de Freddy qui te permet de tenir ton téléphone sur ton bureau euh, pendant que tu fais euh, du debug. Euh... <laughs> la vraie raison, c'est qu'en fait, c'est la même application. Voilà le problème. Et comme il le disait, c'est un service qui est sorti après. En fait, Hotmail est sorti à l'époque de Gingerbread. Vous avez une interface propre à Gingerbread qui est plutôt sympa. Enfin, euh, plutôt sympa pour du gingerbread. Et, mais euh, lorsque Outlook.com est sorti, il sait que c'était largement euh, important sur le marché. Et euh, lorsque les gens ont vu que c'était juste un icône, alors que les vraies applications, les deux applications étaient ensemble sur le Play Store de manière séparée, ils se sont dit que c'est totalement outdated. Donc on est d'accord, c'est pareil. La moralité, pour l'instant, enfin, du moins le, la conclusion qu'on peut en faire, c'est qu'il faut suivre les guidelines. C'est très important. Euh, parce que les guidelines d'Android ont beaucoup évolué, continuent encore maintenant à, à évoluer, et que euh, comprendre mieux la plateforme, c'est faire du meilleur travail, c'est apporter plus de satisfaction à son utilisateur final euh, pour un meilleur rendu, et souvent de manière beaucoup plus simple que si on s'était pris la tête à faire de la custo. Je vois encore des applications avec des tabs barres en bas, c'est des choses qui n'existent pas dans Android aujourd'hui. Donc, c'est tout de la custom en termes d'implémentation, ça vous fait perdre un temps fou. Alors qu'aujourd'hui, des tabs en haut, de l'utilisation de l'action bar se font de manière totalement naturelle, euh, sur maintenant, depuis que c'est rajouté dans l'app dans libra compat library, euh, de manière extrêmement simple et euh, sur, sur l'ensemble des devices. L'histoire n'est pas finie. Pour tout vous dire, après le fiasco qu'il y a eu derrière cette histoire, il y a un designer euh, qui s'appelle Taylor Ling, euh, qui habite à Kuala Lumpur, euh, qui fait très régulièrement des redesigns d'applications et qui trouve absolument affreuse. Et, euh, et il a sorti un redesign qui est plutôt sympa, moi je l'aime beaucoup, euh, qui est basé sur le thème Holo. Donc vous le voyez, hein, on a vraiment quelque chose d'original, euh, qui sied vraiment à l'identité de, de, de Microsoft de manière générale, d'Outlook.com pour ce service, et qui rentre totalement dans les guidelines d'Android. Quelques mois après, Microsoft a sorti sa version, sa nouvelle version d'outlook.com. Et euh, là encore, bon écoutez, il y a de l'amélioration. <laughs> je, je vois des gens qui ne sont pas contents. Il y a quand même de l'amélioration, je pense que ce, ce serait euh, dommage de le nier. Sauf que ce qu'ils ont voulu faire avec cette application... C'est de reproduire ce qu'ils appellent le Modern UI ou le Motro UI, euh, qui existe sur Windows Phone, qui est très intéressant. Vraiment, c'est un nouveau concept euh, qu'ils ont amené euh, avec euh, beaucoup de, euh, de, de, de l'utilisation du swipe, qui est assez utilisé. Il euh, y a beaucoup de comment dire euh, d'overlap. J'arrive pas à le dire en français, c'est nul. Euh, le, de dépassement de certains euh, certains items sur les écrans qui sont consultables après. Donc vraiment un concept très intéressant, parfois un peu fouillis, mais, mais cher recherché et, et original. Le résultat sur le Play Store, ça a été ça. De 2,4, ils sont passés à 2,2. Pourtant, c'était censé être mieux. Pourquoi Parce qu'il y a eu une véritable, un véritable refus euh, et une incompréhension des utilisateurs Android de ce qu'était le métro UI, parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. La vraie morale de cette histoire, c'est qu'il faut suivre les guidelines. S'il vous plaît. Voilà. Retenez ça. Hop là, est-ce que je peux récupérer Ah très bien. Ok, on n'a pas fini avec Microsoft. <laughs> vous souriez pas, vous, quoi, vous aimez pas trop Microsoft Non, ils font des jolies choses, mais parfois ils font des, des choses pas très belles. Et l'idée c'est qu'on en parle ensemble. Euh, on va parler de cette fois-ci de Xbox Music, qui est un service qui est sorti euh, en septembre dernier. Euh, qui est euh, plutôt sympa et je me suis dit c'est un peu un concurrent de ce que vous avez dans les, euh, Google Music. Il euh, y a aussi un peu euh, Spotify, Deezer qui ont des offres un petit peu euh, identiques, où vous payez en forfait et puis vous accédez à une librairie de musique en streaming. Euh, plutôt sympa. Je voulais installer et euh, vous ne voyez pas bien mais vous inquiétez pas vous le verrez. En fait là sur le Play Store, je me suis retrouvé avec plein 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 de devices refusés. J'en ai beaucoup dans mon parc, j'ai eu cette chance. Euh, un moment, euh, et je me suis dit mais c'est fou quoi. Enfin comment une application qui vient de sortir peut être aussi, euh, aussi incompatible avec les nombres de devices et comment en plus je voyais pas la cohérence. Donc on va creuser un peu, je vais vous montrer un peu avec quoi euh, c'est euh, incompatible. Euh, le premier c'est euh, bah, Genymotion, je vous en parlerai après, je vous ferai une petite démo. C'est un émulateur que que Genymobile crée euh, et là il était en configuration Galaxy S4, HTC One, Xperia Z en termes de écran, notamment. Donc, il est incompatible avec. Il est aussi incompatible avec de la Nexus 7, du S4, de la Nexus 10. Moi, à ce moment-là, je dis quand même c'est quand même des, 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 des devices importants. Enfin, il y a un parc quoi, derrière tout ça. Euh, incompatible avec du Samsung Galaxy Mega. C'est une grande, très gros téléphone, encore plus gros que le Note. encore. Euh, incompatible avec du X-Cover. Le X-Cover, c'est un téléphone sous gingerbread. Je me dis, c'est incompatible avec les nouveaux, c'est incompatible avec les anciens. Où est la cohérence Et ah, on a jamais oublié. C'est incompatible avec les tablettes. Alors, on va voir avec quoi c'est compatible. Il y en a un peu. Il y en a un peu, ça fait un parc. Euh, vous avez du Note 2, du S3, du Galaxy Nexus et du Note 1. D'accord euh, Je vais vous le résumer en quelques mots. Donc, aujourd'hui, euh, ce n'est pas compatible avec les nouveaux devices. c'est pas compatible avec les tablettes. Et c'est pas compatible avec les anciens devices. Et avec quoi ça va être compatible Les devices qu'on peut qualifier de mainstream. Le S3, le Galaxy Nexus et sûrement d'autres encore. Euh, euh, voilà. Alors, quand je vois ça, je me dis, mais je ne comprends pas. Là, vraiment, il y a un problème. D'où ça peut venir Là-dessus, euh, Dark Droid m'a répondu utilise la force obscure, Luc, même si ce n'est pas mon prénom. Euh, et l'idée, c'est qu'on aille voir un petit peu dans le manifeste. Le manifeste, vous savez, c'est le fichier qui centralise un peu toutes les activités, toutes les possibilités de notre terminal et toutes ces limitations aussi, de, de notre application et de ses limitations. Alors, première chose euh, qu'on peut remarquer dans le <coughs> pardon, dans le manifeste, c'est euh, le, 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 le min SDK version. Ça, ça nous donne la raison de pourquoi le Xcover est ignoré. Pourquoi Parce que ça exclut, il est en version 14, c'est-à-dire ICS, ça exclut donc Gingerbread. Okay je remarque aussi quand même au passage qu'ils euh, nous ont mis en Target version SDK 14, alors qu'à l'époque, en septembre, la préconisation est 18. Pour plein de raisons, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais euh, il faut toujours mettre le Target SDK version à la dernière version de, votre, de, votre, de, votre, de, votre, de vos outils. Aujourd'hui c'est 19, depuis dernièrement la sortie de KitKat, c'était 18 jusqu'à il y a peu de temps. Bon, on n'a pas terminé, c'est qu'on a trouvé un autre truc aussi dans le manifeste, c'était ça. C'est une balise qui s'appelle Compatible Screen qui permet de définir un certain nombre de terminaux, de désigner un certain nombre de terminaux comme compatibles, le reste n'étant pas compatible. Alors, la première colonne, euh, donc tous les screen size, vous avez du small et du normal, ça nous exclut les tablettes, il n'y a pas de large. Okay donc ça, on comprend déjà pourquoi il n'y a plus les tablettes. Et cette partie-là, définissant les densités d'écran, nous permet d'exclure cette fois-ci enfin donc on a un peu notre schéma complet les nouveaux devices les tout nouveaux devices pourquoi parce qu'ils ont une densité xxhdpi c'est beaucoup trop restrictif et ça ça a été leur grosse erreur alors on va revenir un peu sur compatible screen donc c'est une balise euh, et là je vous cite trois phrases de la documentation de compatible screen disponible sur d.android.com le premier n'utilisez pas cet élément le deuxième, utilisez-le en dernier ressort, en dernière solution. Et plutôt que de l'utiliser, suivez plutôt les guidelines sur comment faire du multiscreen et adapter votre interface à, euh, à différents écrans. Voilà, donc ça c'est juste pour vous faire comprendre que même Google est conscient que c'est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser, qui peut être utilisé en dernier ressort. <laughs> Un point aussi sur... Euh, le, le, le problème qu'ils ont rencontré, en fait, c'est que Compatible Screen ne prend pas en charge le label XXHDPI. Et d'ailleurs, ça vous est aussi dit dans la, dans la documentation. Plutôt que d'utiliser XXHDPI, je vais revenir juste en arrière pour vous montrer. Bah, au lieu d'utiliser XXHDPI, vous utilisez la valeur 480 pour l'utiliser. Ça, ça vous montre un peu que le support de ce truc-là, euh, ils font pas de gros efforts parce que pour eux, plus il y a de complexité, moins vous seriez à même de l'utiliser. Visiblement non, en tout cas pas pour Microsoft. Euh, donc une fois que j'ai observé ça, je me suis dit bon attends, est-ce que l'application elle nécessite quand même ce genre de, de limitation Alors j'ai regardé, j'ai utilisé, bon là c'est les screenshots qui sont disponibles sur le Play Store, euh, parce que mon compte gratuit d'un mois <laughs> était dépassé pendant, quand j'ai voulu faire les screenshots. Donc euh, voilà, vous les avez. Donc, mais là on a à peu près euh, la plupart des pages de l'appli, il n'y a rien qui justifie de ne serait-ce que pas être présent sur un S4 quoi. Ou sur tous les autres devices, et tous les nouveaux devices éventuellement tablette même si euh, voilà donc on est d'accord il n'y a rien qui semble vraiment euh, insurpassable alors maintenant on va observer un peu ce qu'ils ont perdu microsoft en vrai en vrai ce qu'ils ont perdu c'est que ils n'ont pas réussi à toucher 7,7 des terminaux android rien qu'en excluant de tous les terminaux qui se connectent au play store sur ce dernier mois rien qu'en excluant le XXHDPI. c'est une grosse erreur et je vais on va revenir là dessus euh, juste après une deuxième chose aussi ils ont exclu l'ensemble des tablettes, 11,2%. Si on fait le calcul, ça veut dire presque 20% de tout le marché qui pourrait leur être apporté a été totalement ignoré. La première question que je me suis posée, c'est... Mais est-ce qu'ils ont franchement testé en fait au final s'il y avait ce genre de restrictions Est-ce qu'ils ont testé sur, sur des nouveaux devices? Enfin, c'est quand même Microsoft, ils devraient avoir un parc s'ils sont éditeurs de solutions Android aujourd'hui. Euh, voilà. Bon, première question, ça j'ai pas de réponse malheureusement. Euh, voilà. Deuxième chose aussi, en excluant les nouveaux devices, bah, eux qui lançaient ce nouveau service, ils se sont coupés totalement des power users, ceux qui changent de terminaux à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération. Les early adopters. C'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que les early adopters sont sûrement la plus grosse cible pour eux potentielle pour le fait d'adhérer à leur service. Parce qu'ils ont déjà Xbox à la maison, qui trouvent le Media Center génial, euh, bah, du coup, ils vont, ils vont prendre le forfait qui va avec plutôt que d'aller sur Play Services. Et là, ils perdent en concurrence. Et euh, aussi des fonctionnalités où bah, ils n'ont pas fait les choses à fond, ils sont arrivés, il n'y avait pas de preloading, Ça, c'est un problème. Ils auraient dû, et ça leur a été relativement reproché sur le Play Store, ils arrivent sans pouvoir dire, piner les différentes, euh, les différentes musiques en leur disant Je veux pouvoir les conserver et les écouter. Pourquoi vous rigolez, piner <laughs> Je veux pouvoir les télécharger et les écouter plus tard hors ligne. voilà. Donc il n'y avait pas de mode hors ligne facilement mis en place. Donc ça, c'était les erreurs. Alors, euh, DarkDoy est revenu vers moi en me disant, hey, yale, ils ont quand même fait quelques petits trucs, euh, ils sont revenus avec leur APK, euh, et ils ont, l'ont mise à jour. Je crois que ça a été entre 24 et 48 heures après que j'ai pu observer ces trucs-là. Une... Bon, Puisqu'il me le dit, c'est <laughs> un jour après. Et euh, ils l'ont updaté Et on s'est retrouvé cette fois-ci avec un Use SDK toujours en 14, un mini SDK, SDK toujours en 14, et euh, un target enfin à 18. Ils ont normalisé, ils ont aussi supprimé le compatible screen en passant sur du support screen, euh, qui est beaucoup moins restrictif cette fois-ci, et donc ils ont pu aller taper tout le monde. Le, 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 le. Aujourd'hui on peut télécharger Xbox Music sur une tablette, grâce. Support screen le permet, c'est juste qu'il est en mode support, ce qui n'est pas top, top top non plus, mais en gros il va étirer l'image euh, si, si, si besoin. Voilà, c'est du mode compatible. Hourra Ok, on n'en a pas fini avec Microsoft. Je vous promets, c'est la dernière. Mais, mais bon, vous voyez que quand même, c'est quand même un grand éditeur. Euh, ils ont plus que pignon sur rue. Ils ont plus que des gens compétents dans leurs équipes. Je pense que c'est des trucs on peut, sur lesquels on ne peut pas douter. Mais par manque de connaissance de la plateforme, ils ont fait des erreurs qui ont pu, euh, je pense, à leur échelle, euh, leur coûter assez cher. Épisode 3, Office Mobile. On va essayer d'aller assez rapidement sur celui-ci. Euh, c'est une jolie appli, plutôt sympa, qui suit les guidelines. Vraiment, elle marche bien. D'ailleurs, Xbox Music, elle suit euh, relativement bien. Bon, elle est, elle, je la trouve un peu moins bien finie que, que Office, mais elle est pas mal, hein, pour le coup. Euh, et donc, Office, euh, moi, j'aime bien. Euh, plutôt pas trop mauvaise note. Hein. Euh, 3,5. Ça pourrait être mieux, c'est vrai. Alors, il y a un truc intéressant qu'a fait Microsoft, et là, je pense que c'est une leçon à retenir. C'est que euh, Microsoft Office, en fait, ce n'est pas Microsoft Office euh, la solution, c'est Office 365, qui est un autre service, c'est le Office dans le cloud, qui est totalement des licences totalement séparées. Donc quand vous achetez votre Office sur votre bureau, euh, ben, euh, ce n'est pas du tout la même licence. Et, euh, et ils ont essayé de combattre la confusion que mènent ces deux. parce qu'ils qu sont un vrai virage de la manière de récupérer de l'argent sur, sur, sur le, 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 leur soft. Euh, et ils ont fait des choses intéressantes sur le Play Store pour essayer d'éviter hein, cette confusion. La première, c'est qu'ils ont utilisé, vous le voyez sur la, la page, euh, For Office euh, 365, ce qui met quand même de la clarté. Je pense que les gens, une bonne partie des gens l'ont remarqué. Et puis ils ont utilisé une deuxième chose aussi c'est que l'un des screenshots, ils ont mis un gros message dessus. <laughs> Faites attention, c'est pas pour vous qui avez dépensé vos 150 euros dans votre solution Office. Maintenant, il faudra dépenser 100 euros tous les ans. Euh, voilà. Un problème aussi à noter, c'est que bah, cette, cette, cette application, c'est une application théoriquement de productivité, et elle ne supporte pas les tablettes. Et ça, ça leur a été pas mal reproché. C'est Pour ça qu'ils n'ont pas une note parfaite. C'était l'un des plus gros reproches d'ailleurs, mais pas le seul. Euh, la réponse, puisque aujourd'hui sur le Play Store, on a la chance de pouvoir répondre aux utilisateurs, ça a été en gros, hein, je vous le schématise en trois points, cette application est bien notée. Optimisé pour les téléphones, donc on confirme que ça marche pas, ça c'est cool. Euh, sur tablette, vous pouvez utiliser la version web. Dommage. <laughs> Dommage. Et, euh, et euh, oui, parce que la version web ne vous permet pas d'éditer les documents, alors que la version native sur téléphone le peut. Euh, mais on est en train de travailler dessus. Donc euh, vous utiliserez de toute manière sur tablette la version web, tant pis pour vous. Euh, D'autres problèmes aussi qu'on peut euh, leur reprocher, c'est qu'ils sont arrivés sur un marché ou sur Android, que ce soit sur téléphone ou sur tablette. Il y a de véritables acteurs intéressants avec des solutions de productivité, donc d'édition, de, de doc, PDF, etc., de PPT, euh, euh, Excel, plutôt euh, très bons, qui ne supportaient pas les, les, les fichiers locaux, euh, qui ne supportaient pas l'édition sur, sur la partie web, mais ce pas vrai sur la partie euh, phone. Et euh, aussi que je pense que leur back-end n'était pas tellement prêt, parce que moi qui ai essayé de... de ben je suis d'ailleurs encore en, en essaie de, de leur solution, j'ai mis plus de 24 heures à faire en sorte que mon application puisse s'activer euh, avec mon compte euh, Microsoft pour l'offre Office 325. Donc là-dessus, et ça aussi, ça leur a été beaucoup reproché, c'est pour ça qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas les, les plus, de 4, plus de 4 points sur 5 sur le Play Store. Voilà. Donc... Quelle, si on peut résumer ça rapidement, mais ça c'est vous l'avez déjà sûrement compris. Il euh, faut adapter son interface graphique à, euh, aux différents écrans qu que l'on propose, c'est important. <coughs> L'idéal ce serait de se différencier de ces, de ces, de, 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 des gens avec lesquels on est sur le marché pour apporter de nouvelles features et au moins euh, de réussir à faire comme eux. Et bien évidemment, lorsque vous pensez une solution, les applications Android ne sont que les clients souvent d'un web service. Il faut aussi adapter ce web service et faire en sorte qu'il soit prêt à accepter, à fonctionner de manière fluide et même à parfois déporter certains travaux sur le back-end, euh, que, que ces travaux un petit peu lourds soient faits plutôt sur le back-end que sur le téléphone pour améliorer les performances. Là, il n'y a pas eu ce cas particulier, mais, mais c'est une démarche assez globale. Un, un téléphone nu ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Ah oui, j'avais oublié un truc. On va regarder un peu le manifeste. Je crois qu'il y a un truc à récupérer dedans qui est plutôt intéressant. Donc bon, on se retrouve avec euh, du euh, euh, du min SDK version euh, à 14. Donc on est d'accord. Hein, Aujourd'hui, c'est juste pour caler un peu. Il supporte euh, ICS et plus. Il n'y a rien à redire là-dessus. Euh, et puis il y a une permission que j'ai trouvée dedans. C'est read logs. Read logs, ça permet de lire le log 4 en fait. Ouais, je vois, vois faire. Non, bah oui, Bah pourquoi ils le font bah, souvent euh, les, les gens qui développent des applications euh, le font parce qu'ils se disent que ça nous sera plus utile euh, lorsqu'il y aura de la remontée de bugs à faire. Le seul problème, c'est qu'à euh, partir de Jelly Bean, la notion de read logs a été totalement supprimée et le, la permission de lire le logcat a été est refusée maintenant à l'ensemble des applications. Donc on se retrouve avec environ euh, 38% de leur parc qui sera capable d'aller lire les logs si jamais il y avait un bug, sachant que dans le log 4, est-ce qu'il y a vraiment des choses très importantes à aller récupérer euh, Parfois, mais quand c'est vraiment, il faut aller creuser, il vaut mieux prendre contact et demander quelques manipulations à faire à l'utilisateur. Donc ne pas passer par les logs directement faits. Et, euh, et voilà, Donc, pour à peu près 38% de leur pack, ils vont faire peur à 100% de leurs utilisateurs. Et, euh, et, et, et l'idée, c'est qu'ils bah, n'en ils en ont pas vraiment besoin. Donc, vaut mieux, de manière générale, essayer d'éviter l'utilisation euh, des fonctions euh, deprecated dans, dans l'OS qui évoluent de manière générale. Et, euh, et voilà. On a fini avec Microsoft. C'est bon. Je vais boire un coup, du coup. <laughs> et je vais juste vérifier l'heure. OK. On est déjà en retard. Euh, Yahoo Weather. <laughs> Yahoo Weather, c'est euh, voilà le logo, c'est joli. C'est une très jolie application. Moi, je la trouve magnifique. Elle a une très bonne note sur le Play Store. Est-ce qu'elle est parfaite Absolument pas. Euh, alors, l'idée, c'est clairement, elle n'est pas parfaite. Elle est magnifique dans ce qu'elle sait faire. Par contre, elle fait plein de trucs vraiment super mal. Euh, et euh, j'ai voulu illustrer euh, par une, énorme, une très belle citation euh, que vous avez ici, euh, qui dit en fait, n'essayez pas, faites ou ne faites pas, il n'y a pas d'essai à faire. L'idée, c'est de s'impliquer, c'est de viser la perfection lorsqu'on fait quelque chose. Qui Yoda. sait... <laughs> Merde, j'ai même pas eu le temps de poser la question. C'est Yoda, oui, c'est ça. <laughs> le voici. J'en ai distribué deux. Ok, très bien. Il nous en reste deux. Je ne sais même plus si j'ai deux questions jusqu'à la fin. Euh... Tu l'as tapé sur le net ou pas Ah, quelle culture Magnifique, les grands auteurs <laughs> Ok, euh, Yahoo Weather. Je vais focuser sur un vrai problème et je vais vous en citer plusieurs. Le premier, c'est qu'ils ont un splash screen. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire sur Android. L'utilisateur, lorsqu'il il, il utilise une application sur Android, il veut l'utiliser tout de suite. Euh, ils utilisent pour tous leurs paramètres une interface non native, alors qu'ils auraient pu faire très, ça, ça très simplement avec le framework Android sans absolument aucun problème. Euh, et du coup, l'utilisateur perd encore en repère, parce qu'il n'a pas l'habitude de voir ce genre d'interface. Il doit se la réapproprier, ça lui demande du temps, de l'effort, et l'utilisateur est un feignant. Pour le satisfaire, il faut qu'il ne fasse pas d'effort. C'est de la même manière que pourquoi utiliser l'application Contact pour lui demander un contact. Il a ses habitudes. Voilà. Encore un exemple, ça c'est le, 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 le menu drawer sur le côté qui n'est pas natif. Et puis il y a un point qui m'embête vraiment, c'est que et ce, sur la, ce sur quoi je vais, je vais axer un petit peu plus mon, 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 pardon le, le, cette partie c'est la status bar. Euh, vous le voyez, en fait, elle disparaît cette status bar. Je m'en suis rendu compte euh, et euh, moi ça me gêne beaucoup euh, quand, quand ça arrive. <coughs> Alors l'idée c'est qu'on voit ensemble quand afficher et quand on peut faire disparaître la status bar. Quand on peut la faire disparaître, c'est pour les expériences immersives, comme les jeux, les livres à lire, les vidéos. Là-dessus, clairement, on peut se passer du décor, euh, c'est euh, ce, totalement justifié. Mais lorsqu'on doit absolument montrer euh, la status bar, c'est quand l'utilisateur fait du multitasking. La barre de notif, c'est le truc qui nous permet de, qui te permet de dire à un utilisateur, il y a un événement qui arrive, peut-être que tu veux le traiter maintenant. Alors, la question à se poser, c'est quand est-ce que moi, je check euh, la météo bah, Souvent, c'est le matin, euh, quand euh, je suis en train de choisir mes vêtements, quand je suis en train en même temps de manger mon, mon petit déj, je check mes emails, parce qu'avant d'aller au boulot, il faut bien commencer à travailler, et, euh, et euh, j'ai mon gamin qui m'attrape le jean comme ça, et voilà. Donc ça, pour moi, ça, c'est du multitasking. Donc là, on n'est pas du tout dans une expérience immersive. Euh, je peux vous donner des exemples où vraiment, c'est des choses qui commencent à être vraiment réfléchies. Euh, L'application YouTube, qui est une application de lecture de vidéos, aujourd'hui, quand on lit une vidéo, il n'y a pas de status bar. Vous voyez, hein, c'est assez clair. Par contre, malgré ça, cette application, elle l'autorise à faire du multitasking. Pourtant, elle fait de la lecture de vidéos. on peut en fait, euh, en faisant un petit swipe vers le bas, euh, mettre la vidéo dans un coin et c'est du multitasking dans l'application. Euh, je peux citer un autre exemple, encore un lecteur vidéo, celui de Samsung. Ils ont fait pas mal de pubs à la sortie du S3, euh, du pop-up play ils appellent ça. Et en fait, ça permet très simplement d'avoir une vidéo qui tourne encore en overlay euh, de, de, de toutes vos interfaces, de toutes vos applications, euh, et de pouvoir faire donc du multitasking, lire vos mails, les traiter peut-être même un peu pendant que vous regardez le truc qui se passe euh, dans votre vidéo. Voilà, et l'idée, euh, comment Yoda conclut notre discussion, c'est en me disant bien évidemment qu'il faut toujours penser au contexte. L'important, c'est de prendre du recul sur, sur ce que l'utilisateur va faire pendant qu'il utilise, qu utilise votre application. Parce que vous n'êtes pas le centre du monde sur son téléphone, loin de là. Et il faut savoir se faire oublier et être présent quand, on en a, quand il en a vraiment besoin, quand il a vraiment besoin de, de, de votre aide. Bon, ça, c'en est fini pour Yahoo. On va passer à Facebook. Alors, Facebook, l'histoire est plutôt sympa. Euh, ils sont sympas chez Facebook, ils sont vraiment bien, ils ont un bon esprit. Moi, j'aime beaucoup Facebook. Vraiment, c'est une jolie boîte en termes de personnes. Euh, et ils font très souvent ce qu'ils appellent des Under the Hood, qui sont des articles où ils le, soulèvent le capot. Et ils nous disent, bah, voilà comment c'est fait. Et ça, c'est cool parce que bah, c'est quand même un géant du web, un plus que géant du web. C'est sûrement l'une des, des trois plus grosses boîtes euh, dans le monde qui fait du web, surtout sur le grand public. Et ils avaient des problèmes techniques. Euh, Qu'ils ont réussi, réussi à solutionner. Vous allez voir comment. Euh, ils avaient beaucoup trop de méthodes dans leur code, vraiment beaucoup trop. Et il euh, y a hum, sur Android un certain nombre puisque à l'initialisation de l'application, euh, l'ensemble des méthodes sont référencées dans un, dans le linear lock. Et, euh, et bah, lorsque vous avez trop de méthodes, ce linear lock il est trop rempli et donc l'application ne se lance pas, elle crash. Donc ils avaient ce problème. Euh, la solution qui s'offrait à eux, c'est de diviser l'application en différents fichiers euh, exécutables Android. Ça s'appelle les fichiers Dex. L'idée, c'est que bah, plutôt que d'avoir euh, un seul gros Dex, bah, au lancement de l'application, je vais charger un Dex principal, et puis au fur et à mesure de l'utilisation de l'application, je vais charger euh, le, les, les, les Dex qui correspondent aux différents usages. Du coup, bah, il va y avoir un chargement à besoin, à façon. Et donc, on allège largement le, 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 les allocations qu'on fait dans linéaire alloc. Le seul problème, c'est que leur code n'était pas assez modulaire. Ils n'ont pas réussi à diviser en decks cohérents parce qu'en gros, il y a le framework à tapé un, un peu trop de classes. Et voilà. Donc, euh, moi, ce que j'en conclus vraiment, parce que euh, j'ai du mal à voir ça autrement, c'est que leur application n'était simplement pas assez modulaire. Ils ont mal développé, ils ont utilisé euh, peut-être de mauvaises méthodes, peut-être qu'ils avaient trop de choses qu'ils voulaient faire dans une seule application. À mon avis, il y avait un plus un problème à régler de, de ce côté-là. Bon, et un truc aussi, c'est que du coup, bah, ils, même s'ils avaient plusieurs decks, ils étaient obligés de les charger au démarrage. Euh, donc en fait, euh, je vais passer rapidement là-dessus, parce que c'est vraiment technique et lié euh, à, à l'utilisation de, de l'OS, ils, ils devaient charger ces différents decks directement euh, au niveau du système et pas au niveau applicatif. Donc en fait ils devaient demander au système de charger leur lit plutôt que de dire à leur application, euh, leur DEX, plutôt que de dire à, le, à leur application, charger le DEX. Ça fait une différence. Voilà. Alors ça encore, si quelqu'un est au courant bah, de, de ce que c'est, euh, qui est totalement lié à ce que ce dont je suis en train de vous parler. Euh, et juste avant de démarrer sur ça, pour vous donner le cadeau, il faut savoir euh, ce que c'est. Mais juste un truc pour finir en fait, c'est que du coup, ils ont dû demander au système de charger ces différents dex et pour ça, ils ont dû utiliser la réflexion. La réflexion, c'est d'aller utiliser donc Android, c'est différentes classes, c'est plein d'objets qui communiquent entre eux. Et euh, le système lui aussi est composé de ces différents objets. On peut attaquer certaines variables, certains éléments euh, de ce framework, directement en utilisant de la réflexion, alors qu'ils ne sont pas accessibles. C'est une méthode de développement, enfin pas une méthode, mais des outils de développement en Java très spécifiques, et on peut aller en gros hacker un petit peu le, le système de cette manière. Euh, et l'idée donc c'est d'utiliser la réflexion, elle est taper dans une variable, dans une, dans un, dans une liste d'objets en fait, pour ajouter un index euh, qui était celui qui voulait euh, injecter à la volée. Et du coup d'où est arrivé euh, ce joli message, euh, Est-ce que quelqu'un a une idée Donc en gros, ça dit euh, plus, de, euh, plus de, 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 de compatibilité avec des versions précédentes pour Facebook. Un nouveau jour, un nouveau euh, champ privé accé accédé. Le champ privé dont je vous parle, c'est celui dans lequel ils ont injecté euh, des DEX. A votre avis, ça vient d'où C'est dans le code source d'Android. C'est un mec de Google qui a fait des modifs et qui s'est rendu compte que ça pétait Facebook. Il a fait des modifs dans l'OS Android, mais parce que Facebook allait attaquer ce label, ce, ce, ce champ, ce champ que lui, euh, dont lui avait modifié le nom, en fait, il avait juste refactoré parce que le nom n'était pas clair. Il avait juste changé en un nom plus clair, comme ce qu'on fait très habituellement quand on refactore du code et qu'on fur et à mesure de, de, du changement des... des des, de, 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 des fonctionnalités qu'on ajoute. Euh, voilà. Il s'est retrouvé avec ce problème. Bon, du coup, il a dû refaire un commit modifiant euh, les, les, précédentes, euh, les précédents changements. Dommage. Vous avez fait le gagner. Alors, en gros, on peut aussi retrouver ça euh, à, à, dans le même commit, un, un petit commentaire qui dit, euh, c'est la liste des ressources DEX, donc des classes pass, des, des éléments DEX. À charger dans l'application au lancement. Euh, il devrait s'appeler Pass Elements, mais Facebook, l'application Facebook, utilise la réflexion, donc il remodifie en Dex Elements. Voilà, en gros, la modif est très simple. Hein, C'est vraiment un truc que nous, on a l'habitude de faire. Enfin, voilà, lui, il a voulu le faire de manière propre pour refactorer son code. Il n'a pas pu parce que ça cassait Facebook. Pourquoi ça cassait Facebook Parce que Facebook hackait. hacke dans le sens, bidouiller bidouiller euh, la machine pour que la machine s'adapte à leurs usages. C'est leur, euh, leur, euh, leur méthodologie, très bien. Il euh, y a un truc qui est sympa aussi, c'est que bah, quand ce, une modif est faite dans, dans le code d'Android, quand un commit est fait, pour qu'il arrive sur le repo et pour pouvoir être publié ensuite, il doit subir certains tests. Euh, je vous ai extrait quelques commentaires, c'est des trucs qui sont disponibles, hein. le, le guérite d'Android est disponible, il est régulièrement mis à jour à chaque, à chaque sortie d'OS. Euh, le premier patch, euh, première vérification sûrement automatique a priori. Le log 4 euh, montre que l'application cette fois-ci ne plante pas, parce que sinon il y aurait euh, un, un truc qui serait levé directement dans le log 4. Le deuxième, c'est un, un test manuel qui dit a priori l'application fonctionne, mais bon j'ai pas de compte donc euh, a priori. C'est juste sympa donc je vous l'ai mis. Euh Ok, bon finalement ça n'a pas suffi parce que euh, ils avaient toujours trop de fonctions et donc ils ont dû aller toucher directement dans la, Delvic, v, dans la VM Delvic pour plutôt que euh, de diviser les choses en le, le, leur dex, ils ont augmenté ce buffer, ce linear alloc, le buffer du linear alloc sur notamment sur Gingerbread en, euh, en développement en, en, au niveau natif. En lisant cette, ce tableau qui était alloué, donc qui faisait à peu près 5 mégas, si je me souviens bien, euh, pour euh, recevoir l'ensemble des noms des méthodes et leur fonctionnement, euh, bah moi je vais mettre un autre tableau qui est beaucoup plus grand et qui va me permettre donc de pouvoir faire. Donc là, ils ont dû attaquer encore plus bas niveau pour euh, finalement réussir à, à, à faire ce, ce hack. Ouais. Autant vous dire que quand on lit ça, on se sent un petit peu sale. <laughs> donc. Si on peut résumer cette histoire, la, modu la modularité, euh, ça sauve parfois des vies. Euh, en tout cas, euh, ça, ça sauve de ne pas se sentir sale lorsque on lit ce genre d'histoire. Que Google est un truc intéressant. Google, apparemment, euh, lorsqu'ils font leurs modifs en interne, ils font des tests unitaires sur les différentes applications euh, les plus populaires du, du Play Store. C'est pas étonnant, mais bon, là, c'est un peu une preuve de, de ce qu'on a. Donc en interne, ils travaillent dessus. Euh, et euh, inspiré par quelqu'un que j'ai vu sur, dans le commentaire euh, sur le blog relié, euh, si euh, Google euh, euh, embauche des ingénieurs, Facebook embauche des sculpteurs. Alors deuxième épisode sur Facebook. Facebook Home. Euh, Facebook Home, c'est d'abord un lock screen. Qui est plutôt réussi, il, utilise, euh, il permet de consulter euh, des. des, des... C'est une jolie expérience, il permet de consulter différents types de services Facebook, Instagram, Flickr, Pinterest, euh, Tumblr, vous les voyez. Euh, c'est aussi un launcher. Et c'est aussi un truc que j'ai n'ai pas rajouté, mais bon, qui n'est pas trop lié c'est euh, les Chat Chats, vous savez. Euh, non, comment ça s'appelle Chat c'est ça. Euh, qui est le, 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 les petites bulles qui apparaissent. Encore euh, plutôt, euh, plutôt sympa pour ceux qui aiment. Euh, cette application elle a 2,6 sur le Play Store. C'est une très mauvaise note. Et quand on a 2,6 sur le Play Store et qu'on veut arriver à du 4, il ben, faut quand même se lever tôt parce qu'il faut récupérer plein de 5, de, 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 de 5 étoiles pour, pour, pour y arriver. C'est pas le cas encore aujourd'hui. Euh, pourquoi Le vrai problème, et ça c'est ce qu'il a été reproché en masse à cette application, et c'est ce qui a fait que ben, moi par exemple j'ai désinstallé euh, des, des, des premiers tests. Et euh, je n'ai pas voulu en entendre parler après, c'est que euh, le launcher était vraiment très simple. Autant la partie lockscreen était super intéressante, vraiment bien travaillée, le graphisme extrêmement fluide. Pour ceux qui ont du contenu intéressant sur leur Facebook, vraiment sympa. D'ailleurs, moi, pendant le retest là, pour le truc, ça m'a permis de redécouvrir des vidéos, de, des, des photos de mes petits-neveux euh, que, que ma famille avait postées, puisque je ne vais jamais sur Facebook. Donc c'est vraiment intéressant, vraiment le concept, est, et moi, me plaît beaucoup. Euh, pour ceux qui aiment Facebook, en tout cas. Mais voilà, pas d'intégration de folders, pas de, de dossiers, euh, qui a même arrivé un peu tard sur Android, mais bon, là, tout le monde était censé les avoir. Euh, pas de widgets, des widgets sur Android, c'est un peu la vraie personnalité du launcher. Euh, et pendant un moment, pas de doc. Bon, certains ont dit que c'était un gros problème, en effet. Euh, et surtout, le vrai problème, c'est que le launcher, pendant euh, plusieurs semaines, voire quelques mois, euh, je n'ai pas les dates exactes, mais de ce que j'ai pu observer, de mes recherches, le lock screen était lié au launcher. On ne pouvait pas choisir juste le lock screen et utiliser le launcher par défaut qu'on a l'habitude d'utiliser qu'on aime, celui dont on, dans, sur lequel on a l'ensemble des réflexes. Et euh, sur lequel on utilise souvent toutes les possibilités, les dossiers aujourd'hui maintenant je me vois mal m'en passer. Voilà. Donc ils ont fait ce choix de, de ne pas le rendre modulaire, encore une fois. Donc là c'est une image du premier launcher. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Ça parle de lui-même. Aujourd'hui, ils l'ont fait évoluer. Ils l'ont fait évoluer, mais je pense qu'ils savent encore qu'il n'est pas parfait. Et il y a un truc qui me le montre bien c'est ça. C'est que ce bouton-là, ça permet d'ouvrir le launcher par défaut sur votre téléphone, dans le launcher d'Android. Donc le mort, les features qui vous apporte en plus, c'est votre launcher par défaut. Un autre truc aussi que j'ai trouvé étonnant, mais ça, je ne peux pas vous euh, conclure sur quoi que ce soit, euh, c'est que bah, si vous regardez les applications Facebook, les logos, il y en a trois qui se ressemblent. Il y en a un, qui m'a l'air d'être un peu le vilain petit canard. Euh, donc euh, là encore, je me demande euh, en interne comment ça a été géré. Quoi. Alors, les conclusions qu'on peut retirer, et encore ça, ça va dans la même veine que ce que je vous disais pour les premières parties sur Microsoft, c'est important de comprendre une plateforme, de connaître son esprit, de connaître ses possibilités, et de faire en sorte que les utilisateurs s'y retrouvent, se retrouvent dans leur réflexe, se retrouvent dans les besoins qu'ils ont sur la plateforme. Et pour ça... Ben, il faut utiliser le téléphone. Et euh, beaucoup ont dit, alors après, je ne saurais pas vérifier, donc euh, je ne saurais pas vous dire, que les développeurs qui avaient travaillé sur, sur euh, euh, Facebook Home n'étaient pas des utilisateurs Android euh, de la première heure, ou du moins pas des gens très impliqués, que du coup, ils n'avaient pas pensé à ces choses-là. Bon, c'est une, une possibilité. Et une chose aussi, c'est que lorsqu'on crée un outil, et là, on ne parle presque pas de développement, lorsqu'on crée un outil, lorsqu'on crée un concept comme les Facebook Home, il faut penser qu et re... qu'on veut immerger les gens dans l'expérience, dans notre expérience plutôt que l'expérience du téléphone, il faut absolument identifier les points les plus faibles de notre expérience en termes d'utilisation et d'habitude pour faire en sorte que ces points faibles, soit ça va ou soit que l'utilisateur les oublie totalement, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. J'ai juste regardé le temps. Euh, il nous reste 15 minutes. Je vais essayer d'aller vite sur cette partie. Euh, c'est l'appli Canal En fait, c'est l'appli Canal Touch. L'appli Canal Touch, elle est sympa. Elle a été développée il y a très longtemps. Et euh, elle, le design est encore même très bien. Pour tout vous dire, vraiment, quand je l'ai ouvert la première fois et que j'étais à l'époque en contact avec les équipes de développement de, de Canal Plus, euh, ils m'ont donné la date, je ne me souviens plus. Mais vraiment, à l'époque, j'avais été impressionné. Ils avaient fait un très beau travail. Vraiment. Sauf qu'une une fois, bah, en, utilisant, euh, en voulant utiliser Genie Motion, en fait, je voulais mater euh, des films <laughs> en live parce qu'il y a un truc que je voulais voir sur Canal. Euh, bon, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. J'ai lancé euh, Canal Touch euh, sur mon PC, vu que j'avais, euh, vu que j'avais le cat ouvert à côté. Bah, j'ai vu des trucs passer. Je C'est quoi cette histoire Ça m'a un peu attiré l'œil. Et donc j'ai remarqué quoi Donc ça, c'est le Lock 4. J'ai remarqué pas mal de choses, donc vous voyez, je les ai mis en gras, euh, je vois du HTTPS, je vois euh, des trucs en PHP, je vois des, des, des terminaisons de passe euh, pour, pour des URL. En fait, tout ça, c'est des URL et des réponses qui sont faites et qui sont envoyées par l'application Canal Touch. C'est un vrai problème. Une application en prod ne doit pas être aussi bavarde. Pourquoi Parce que ça met en, sécurité, en péril votre, la sécurité de votre plateforme. Ça... Euh, mais vraiment en péril, ça rend plus facile le reverse engineering. Par exemple, je sais qu'ils utilisent des connexions HTTPS, enfin, je pourrais tester derrière s'ils testent bien leur, leur certificat, voir si je ne peux pas faire du man in the middle, euh, si jamais ils ne font pas du vrai test de certificat, euh, donc rendre le HTTPS totalement inutile. Euh, potentiellement, du, je vois des extensions en PHP, donc potentiellement un back-end PHP. Bon, pourquoi pas essayer quelques failles sur leur back-end maintenant que j'ai pas mal d'URL dans lesquelles elle est tapée. Je connais donc toutes les URL et je connais tout, pratiquement tous les paramètres qu'ils sont en train d'utiliser. Voilà. Ils sont faibles aujourd'hui sur ce plan-là. Et bien évidemment, ça peut ramener encore plus de brèches de sécurité. Je vais vous en donner une parce qu'ils ne sont pas arrêtés à juste donner les URL. Ouais, ça fait mal, hein Voilà, je me suis rendu compte de ça, je leur ai envoyé un mail, la modif n'est toujours pas faite, je n'ai pas eu de retour. Je suis un peu euh, désolé pour eux, mais voilà, il fallait que j'en parle aujourd'hui, c'est important, c'était cette ou rien. Voilà, donc aujourd'hui, le mot de passe est étant clair sur Canal Touch, faites très attention lorsque vous l'utilisez, et s'il vous plaît, ouais, <laughs> s'il vous plaît, ne... Euh, n'allez ne, 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 pas exploiter ce genre de choses pour embêter vos amis, hein, ça ne sert à rien. Euh. Voilà. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'il faut vraiment la fermer. Lorsqu'on est une application en production, il faut vraiment ne pas le faire. Et il y a des méthodes tellement simples pour le faire. Euh, Utilisez buildconfig.debug. Ça vous dit si vous êtes en mode debug ou si vous êtes en mode prod C'est géré de manière. Ouais parce qu'il y a eu un bug dans ADT. C'est géré par ADT à partir de 8. Il y a eu un bug, mais il a été corrigé. Aujourd'hui, je n'ai pas vu de truc. Mais du moins, au moins, à moins que tu aies un SDK. Alors, il y a un truc que j'avais rajouté aussi, parce que c'est un, un tout petit bout. Cette partie-là, j'aurais ajouté d'une autre conf, c'est qu'il faut aussi tester ça lors de vos tests unitaires ou lors de vos tests avant la prod. C'est un truc qui est intégré. Tu as raison et tu fais bien de le noter. Ce n'est pas totalement fiable, mais euh, ça te donne déjà un énorme. Tu as peu de chance. En tout cas, et ça pourra te permettre de trouver des bugs. Théoriquement, les outils Android devraient vous permettre, avec cette fonction, que je vous montre juste après, ah, ouais Je vais vous montrer, après je reviendrai sur ça d'après. Euh, en gros, c'est très simple hein, on, ferait un, on prend un, un champ statique, on fait un show log, on teste si on est en, en, en debug, et on fait un test on, on crée juste une fonction statique pour les logs, et tous les logs, on les passe avec cette fonction statique, et c'est fait. Une fois qu'on est en prod, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire parce que tous les logs qu'on voulait envoyer dans le logcat en debug, on les a plus en prod. Pourtant le code est toujours là, il peut être changé euh, avec, euh, avec euh, ProGuard, il peut même être euh, supprimé s y a, si, si pour, quand, 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 quand on l'utilise correctement. Euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment d'utiliser ce genre de choses. Et puis une chose aussi et qui est, qui est vraiment, qui est vraiment de manière évidente, ne jamais envoyer de password en clair, même quand on utilise du HTTPS. Voilà. Il faut hacher les choses. Mais bon ça, il faut aussi dire au backend de savoir le faire euh, et de le prendre en charge. Et bien évidemment, et je te remercie, de le tester. C'est super important. Ne jamais faire confiance totalement aux outils. Ok, il nous reste 10 minutes pour cette partie. Même pas. Donc je vais aller super vite. C'est dommage parce que c'est un peu le clou du spectacle. <laughs> euh, sur Android, le framework il est composé. Enfin, euh, le middleware est composé euh, de notamment beaucoup d'applications. Et les différents constructeurs travaillent à... Enrichir l'ensemble de ces applications de manière assez exponentielle en fonction des, euh, au fur et à mesure des différentes itérations de leurs terminaux. Euh, et voilà, ces APK ils permettent simplement, au niveau système, d'implémenter des features accessibles à l'utilisateur ou même au fonctionnement de, de l'OS. Euh, et ils ont l'ensemble, pour la plupart en tout cas, euh, et vous verrez, il y en a beaucoup, ils sont signés avec le certificat constructeur, donc ils ont le droit système sur le système. Droit Linux système, C'est bon, ouais. Euh, alors l'idée c'est quand on est un pirate, c'est se demander si ce genre de choses c'est open bar. Donc on va voir. Euh, je vais vous citer un truc parce que c'est pas moi qui suis ch chercheur en sécurité, c'est juste qu'il euh, y a André Moulu euh, qui bosse chez Quarkslab, qui a fait une conférence là-dessus. Euh, et euh, qui dont je vais citer un des exemples, un des exemples de vulnérabilité qu'il a trouvé. Et dans, le, le, y a, dans les speaker notes, vous allez trouver euh, le, le PDF d'origine. De, de sa presse. Alors, av avant de vous montrer euh, l'exemple, je vais vous donner euh, sa méthodologie. Elle est très simple et très efficace, euh, presque assez accessible à tous, et très intéressante en fait. C'est un truc, que, quand j'aurai le temps, je pense que euh, je m'y mettrai un petit peu. L'idée, c'est d'automatiser le reverse engineering sur l'ensemble des APK qu'on a dumpés euh, sur un, un téléphone. Euh, et puis de faire un petit peu d'analyse de manifest, voir les trucs un petit peu sioux, euh, un, un petit peu étranges en fait, qui ont été faits euh, sur les manifestes avec des broadcast receivers qui seraient éventuellement pas protégés avec des permissions, ce genre de choses. Euh, utiliser des, des fonctionnalités sensibles de, 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 de l'API. Et, <coughs> et une chose qu'il fait aussi qui est plutôt intéressante, c'est qu'en fonction des différentes versions de l'OS, euh, il va tester, voir s'il y a des patchs qui ont été rajoutés. Ça lui permet de simplifier son analyse. Mais ça c'est pour lui. Alors ce, le résultat hein, de, ces, de, de, de ces recherches, c'est 12 vulnérabilités euh, trouvées qui, permet, qui permettent de faire des fuites d'informations personnelles d'une, euh, d'accéder à des features sur lesquelles nous n'avons pas les permissions. Alors, lui en tant qu'attaquant n'a pas demandé de permission sur son apk ou, ou quoi que ce soit d'autre, mais pourtant il y a accès quand même. Ce qui est dommage parce qu'Android marche sur le système des permissions. Euh, gérer les sms, alors il y avait des trucs euh, sur un S2, il y a des moments où en une ligne de commande je pouvais envoyer un sms. À qui je voulais, notamment un SMS surtaxé, euh, de manière totalement transparente, et puis de même des choses de faire forwarder de manière totalement silencieuse tous les SMS que la personne re recevait vers un autre numéro. À, à C'est moi qui décidais quel numéro. Voilà. Euh, et faire bien évidemment du, 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 de l'injection de code. Euh, C'est quelque chose qu'il a trouvé sur les devices Samsung, mais il a trouvé aussi des choses similaires sur l'ensemble des constructeurs. Alors vous en voulez plus, j'imagine. Alors qu'est-ce qu'il a euh, pour, pour cette histoire, qu'est-ce qu'il a cherché Il a cherché un share user ID égal système. Share User ID, c'est un truc que vous rajoutez dans votre manifeste qui permet de faire en sorte que différentes applications partagent le même user ID. En l'occurrence système. Et le user ID système il a plein de droits sur Android. Vous allez voir après. Euh, et puis il a recherché un petit peu euh, l'exécution de commandes. Donc euh, c'est euh, le binaire SH voir un petit peu bah, qui, quel, 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 quel élément était en train d'utiliser à ça, je ne sais jamais, il y a peut-être des trucs sympas à faire. Euh, et qu'est-ce qu'il a trouvé Une application qui a l'air quand même assez sensible, qui s'appelle servicemodeapp.apk. Alors on va regarder un petit peu plus ce qu'il y a dedans. Là on est dans le manifeste de cette euh, application qui a plein de choses. On se retrouve avec donc deux broadcast receivers, en fait non, c'est le même, qui est défini deux fois. Il est défini une fois, euh, en bas, avec une restriction de permission. Donc pour pouvoir accéder à, au F dump, donc à ce receiver en utilisant l'action fail dump, je dois avoir une permission qui s'appelle keystring. Par contre, si je veux y accéder en lui donnant une action ftat dump, underscore dump, celui-ci, bah, a priori pas besoin de permission. C'est cool. Donc on va aller regarder un petit peu euh, ce qui est fait dans ce receiver. Donc on est dans le on-receive, hein, vous le voyez bien. Il est là. Euh, on récupère du coup euh, l'action fTATDump. On l'intercepte. On récupère... Regardez bien là, parce que je regarde mon truc histoire de pouvoir euh, ne pas me perdre. Euh, on récupère un paramètre plutôt intéressant qui s'appelle file name. Ok, ça c'est nouveau, ça a un point à noter. Euh, ce file name, y a, il subit différentes concaténations, mais le file name reste euh, pas, pas touché en fait. Hein. Donc il euh, y a là-dessus, ok très bien. Le file name qu'on insère a priori va pas être bougé. En cette string elle est mise dans un intent qui euh, donc, euh, via l'extra et en fait on se fait un start service avec cette information. Donc notre file name, enfin celui du, du broadcast, du, du, de, de l'intent euh, qui a été envoyé euh, <coughs> se retrouve envoyé cette fois-ci à un service. Ok très bien. Donc on va continuer à suivre cet intent. Il arrive dans notre onStart command, celui de notre service. Okay, cette fois-ci, on récupère de nouveau notre file name euh, avec euh, dans une string. Puis il y a un thread qui est lancé. Okay, on voit il est créé au début, il est starté juste après sa définition. Et on voit un truc. Ah ouais, il y a un truc que j'ai oublié de corriger dans l'implémentation. C'est pas uh, Et en fait, a, là, quand on voit ça en tick normalement, il y a une fonction qui s'appelle do shell command dump state. Dumpstate, c'est un binaire qui est lancé, qui permet de faire un dump de certaines informations. Envoyé à... Euh, donc le contenu de ce dumpstate est envoyé à un fichier qui est dans slash data slash log slash not string. Not string, c'est notre info file name, en fait. Donc en fait, cette commande, elle permet de faire en sorte que qu'un euh, dumpstate soit fait euh, lorsqu'un bro lorsqu broadcast est envoyé... À, à, à ce broadcast receiver et dans lequel on peut donner le nom du fichier. C'est cool, c'est plutôt pratique quand on fait un dump parce que bah, si on en fait plusieurs, on peut mettre log1, log2, log3. Sauf que nous, on n'est pas là pour faire des dumps. <laughs> voilà. Bon, on va quand même aller dans Do Shell Command parce que jusqu'à maintenant, no, l'information qu'on était en train d'insérer, elle n'était pas modifiée jusqu'à arriver à Do Shell Command. Donc alors regarder dans Do Shell Command. Que fait Do Shell Command C'est assez simple. Elle va créer euh, une commande, elle fait un système slash bin slash sh moins c et elle insère par amstring par c'est notre information. C'est l'information qu'on va être capable d'envoyer. Donc en fait, là, ce qu'on a, c'est juste un énorme accès en ligne de commande à toutes les permissions système. Je peux vous donner un exemple, c'est bingo. Ouais. là c'est du très gros bingo. Alors, avant de vous donner l'exemple, je vais vous dire euh, ce à quoi ce, 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 cette faille, qui est pas forcément simple à comprendre là quand je vous l'envoie comme ça, mais euh, mais bon c'est bien, je vois que beaucoup ont dit oui, oui clairement. C'est assez horrible ce qui est en train de se passer là, pour tout vous dire. Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai fait mince. <laughs> ils sont quand même 100 000 à l'R&D, ils sont capables de sortir un truc pareil, c'est fou. Et euh, donc voilà, ça permet d'accéder à quoi. Euh, 156 permissions qui sont chacune euh, déclarées par l'ensemble des applications avec le shared user ID système. Quand on utilise cette ligne de commande, on a accès à 156 permissions du système Android. Et on a aussi accès à l'ensemble des fichiers qui appartiennent à système, notamment les clés Wi-Fi, les passwords, les gestures et plein, plein, plein d'autres. Alors on va voir un petit peu comment ça fonctionne en vrai, comment on peut y accéder, c'est relativement simple parce que ça tient en une ligne de commande. En une ligne de commande, je fais un ABDB shell am broadcast am broadcast enfin, am c'est l'activity manager, on lui demande d'envoyer un intent en broadcast sur bah, notre action euh, Ftad dump qu'on a vu tout à l'heure. On crée cette, euh, ce paramètre File name dans laquelle on va mettre une chaîne de caractères sauf que on va séparer euh, les différentes actions qu'on veut faire, et c'est de la pure injection, comme on peut en faire en SQL, sauf que là, c'est en ligne de commande, euh, en mettant un point virgule. On met un point virgule, l'action est considérée comme finie par le shell, du coup, on peut entamer la nôtre, celle qui nous intéresse, celle qui nous permet notamment d'installer en une ligne de commande un APK. Voilà, donc là, j'ai installé n'importe quel APK, de manière totalement silencieuse. Mon application, celle que j'aurais pu, pu mettre sa ligne de commande directement dans une application, qui demandait zéro permission, mais qui finalement me permettait d'installer un APK euh, de manière totalement silencieuse qui lui aurait pu demander X milliers de permissions sans problème. Il n'y a pas X milliers de permissions sur Android, mais il aurait pu en demander beaucoup. Voilà. C'est finalement bien Openbar. La morale de l'histoire, c'est qu'en fait, là je vous parle, on, 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 on troll un peu sur bah, en l'occurrence Samsung et tous les EEM, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette faille, elle est arrivée au niveau applicatif. On parle d'APK. C'est pareil pour nous, en fait. Donc l'important, c'est de faire attention à l'ensemble des backdoors qu'on peut mettre à être amené à faire. Je sais que dans les applications métiers, parfois, il y a besoin de faire des choses un petit peu sux. Euh, chez Genie, c'est qu'on a déjà eu à implémenter ce genre de backdoor, sauf qu'on l'a fait différemment, en utilisant notamment le système de permission de manière très stricte. Et, euh, et malgré les audits de sécurité, qui étaient extrêmement importantes et qui a même relevé des trucs que, que peu de, de personnes de sécurité avaient... Euh, avaient repéré. Euh, ils ont vu le système, ils ont dit, il est parfait pour ce que vous voulez faire, malgré le fait qu'il donne accès, même pas au système, mais carrément aux routes cette fois-ci, donc un, des droits beaucoup plus larges. Donc, on peut faire ce genre d'exploit, très simple, euh, mais totalement sécurisé lorsqu'on en a besoin. Et une dernière chose aussi, il faut considérer euh, dans ces cas-là que l'ensemble des inputs qui nous sont envoyés comme des menaces. Il faut, euh, s'il faut, vérifier leur contenu. Et s'il faut les échapper et, euh, et, supprimer, et supprimer et modifier certaines parties pour que euh, les choses restent safe. Je crois que je suis déjà en retard. Euh, Est-ce que me laisse 5 minutes de plus pour faire une démo de Genymotion Motion ou euh, je demande aux orgas Ça vous va Moi, je sais pas. Attends, Allez. Pendant ce temps, je lance le truc. Donc en gros, Genymotion, c'est un, un outil qu'on développe. Un, un un outil qu'on développe euh, dans... chez Genie Mobile, euh, qui est un émulateur Android. Euh, compilé en X86 Top. Ouais, 5 minutes, c'est bon. C'est un truc compilé en X86. Un, euh, je suis en train de lancer une instance là, comme ça, vous allez voir. <coughs> que l'on veut, le parfait émulateur pour les développeurs. Parce que je sais pas si vous avez testé l'émulateur euh, par défaut d'Android. Euh, il est extrêmement lent, celui qui est fourni avec le SDK. Voilà Android. Ah bah ben voilà Canal Touch <laughs> euh, On fait des petits trucs sympas dessus. Euh, notamment, on a implémenté le support du euh, multitouch. C'est cool, j'ai un bon wifi ici. Donc, vous voyez, je peux directement... Ah, il y a un truc. Ouais, bon, je, vous, je vous montrerai Maps avec euh, l'autre appli. Euh, on a des widgets qui nous permettent de simuler euh, les différents devices. Oh là, dis-moi que ça va planter. Top Oui, c'est normal en fait, parce que j'avais pas activé la caméra. Théoriquement, ça devrait remarcher maintenant. Euh, donc, on a implémenté différents widgets qui permettent de simuler notamment la caméra. Donc, en fait, là. La... Forcément, ça va, ça va planter. C'est vrai que ça aurait été con que ça marche. <laughs> ah là là, je rêve. Ok, cool. On va redémarrer ça ne va pas marcher, j'adore. C'est toujours en démo que ça plante, vous le savez. Euh, comment En fait, c'est la webcam de mon téléphone qui va être utilisée euh, et simulée, en fait, injectée directement dans le truc. Donc, en fait, ça passe pour une webcam, euh, la, 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 la caméra frontale ou back, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu sur le widget, mais il y a... Euh, je ne sais pas s'il va s'afficher. Hop. Il euh, y a ici, bah, je vais vous montrer sur le widget ici. Je prends la webcam avant, voilà, vous me voyez Je suis là. Et donc en gros, ça, ça va être injecté à l'intérieur. Je peux vous faire la démo. Normalement, ça c'est le code. Ouais. <laughs> c'est les restants des, du travail que j'ai fait pour pour la presse. Euh, je peux vous montrer ouais, donc un truc sympa sur Maps, c'est le multitouch Aujourd'hui, on est capable d'aller de, browser dessus. Hop. Oh. Ah, parce qu'il est en train d'updater les maps, c'est génial. <laughs> voilà l'implémentation du multitouch qui permet donc de différentes manières de zoomer, dézoomer. Voilà, donc on fait du zoom-dézoom. Vous avez vu, il y a la webcam, je ne vais pas la retenter, on ne sait jamais. Il y a un widget sympa euh, qui fait du GPS. Donc là je suis toujours sur Maps et euh, je vais par exemple chercher Nantes. Et voilà. Et donc il va vite me retrouver normalement à Nantes. Donc je peux simuler ma posi mon positionnement GPS. Directement. Je crois que c'est à peu près, on doit être bon, non Vous qui êtes de Nantes. <laughs> de quoi bah attendez les gars, euh, vous connaissez votre quartier ou quoi <laughs> Hop, alors attendez, on va réussir, on va y arriver. Hop, c'est bon, ça vous va Merde. Ah mais bon, on va faire Paris, ça marche avec Paris. <laughs> Donc là, on va vite arriver sur l'hôtel de ville de Paris. Voilà, le temps qui nous repère correctement. Bon, l'idée en fait, pour que vous comprenez, c'est qu'on rajoute un maximum de widgets qui vont permettre de simuler le fonctionnement normal d'un device et de pouvoir le contrôler pour faire en sorte que quand on développe, euh, on a un maximum d'outils pour simuler comme si on avait un vrai device avec une machine fluide, performante. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à descendre sur le stand de génie si vous voulez plus d'infos. On est là pour ça.